Jean-Rémy Ménot, chef de mission de l'association SOS Chrétien d'Orient. Il est actuellement en poste dans la capitale libanaise. Bonsoir à vous. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Quelle est la situation sur place et l'atmosphère également? Eh bien, écoutez, aujourd'hui à Beyrouth, c'était une atmosphère particulière. En effet, les habitants étaient encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Beaucoup n'arrivaient pas encore à réaliser et beaucoup guérissaient leurs blessures, tout simplement. Il y a eu, au dernier décompte, plus de 4000 blessés et plus d'une centaine de morts. Et donc voilà, on trouvait vraiment des gens qui étaient encore sous le choc, qui ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire, s'il fallait déjà commencer à reconstruire leur habitation, s'il fallait attendre les aides. Et puis, dès qu'on s'approchait du port, on voyait les habitants qui jouaient, entre guillemets, les touristes, à aller voir ce qui s'était passé. Par curiosité, ils avaient besoin de comprendre. Ils avaient besoin de comprendre ce qui s'était passé et de voir vraiment la situation telle qu'elle était sur place. On a vu que toute la journée, les recherches sont poursuivies pour retrouver d'éventuelles victimes, des proches disparus. Comment justement les secours s'organisent et puis les hôpitaux, comment est-ce qu'ils font face à l'immense afflux de blessés? Eh bien, les hôpitaux, c'est très compliqué pour eux parce qu'en fait, il y a certains hôpitaux, je pense notamment à l'hôpital de la Quarantaine qui est situé à 500 mètres de l'explosion, qui en fait ne peuvent plus accueillir de nouveaux patients et ils ont été obligés d'être rapatriés dans des hôpitaux de campagne ou des hôpitaux qui ouvrent un peu au compte-gouttes. J'ai pu, moi, avoir l'occasion aujourd'hui d'aller voir l'hôpital de la Quarantaine, justement, dont je vous parlais, qui est complètement dévasté. On se croirait vraiment en zone de guerre. Une seule explosion a réussi à vraiment mettre cet hôpital à plat. Il y avait des grands prématurés qui étaient présents et tout est renversé. Le plafond s'effondre, les murs s'effondrent, les portes sont éventrées. Voilà, c'est vraiment une catastrophe pour les hôpitaux qui doivent faire face à cet afflux de blessés qui arrivait sans cesse hier soir dans les différents hôpitaux qui étaient encore valides. Alors, vous représentez SOS Chrétien d'Orient, hein, vous avez vécu, on l'imagine, cette situation dramatique hier soir. Racontez-nous un peu combien vous êtes sur place et puis quelle assistance vous pouvez offrir justement aux personnes qui en ont besoin. Alors aujourd'hui, on a 15 volontaires sur place qui sont répartis dans le pays entre Beyrouth, Tripoli et un village dans le nord qui s'appelle Kaa. Aujourd'hui, l'aide va s'intensifier. On a commencé à prendre les premiers contacts avec nos partenaires aujourd'hui pour voir ce qui était nécessaire de faire rapidement. Il va y avoir des donations de colis alimentaires pour les familles qui ne peuvent plus se nourrir parce que, voilà, comme vous disiez précédemment, le port, c'est le poumon économique du pays et sans ça, les Libanais vont avoir beaucoup de mal, d'autant plus que la crise économique est sévère en ce moment. Donc, il va y avoir des donations de colis alimentaires, il va y avoir la réparation des hôpitaux. SOS Chrétien d'Orient, qui s'était engagé déjà depuis de nombreuses années à soutenir les hôpitaux au Liban, va continuer son action et va débloquer plusieurs centaines de milliers d'euros pour participer à la reconstruction et à la réhabilitation des hôpitaux. Et puis également, grâce à nos volontaires sur place, on va pouvoir enlever les différents gravats, les différentes destructions, aider les habitants à reprendre place dans leur maison respective. Car aujourd'hui, le ministère a annoncé qu'il y avait 300 000 habitants de Beyrouth qui n'avaient plus accès à leur maison. Vous, au niveau de l'ONG, vous n'avez pas été touché par cette explosion ? Si, nous avons également été touchés. On était seulement deux à Beyrouth au moment de l'explosion. Notre appartement, en fait, les fenêtres ont été soufflées. Des portes ont été complètement détruites. Voilà, donc c'est très compliqué d'un point de vue logistique pour nous. Et puis, on pense surtout aux Libanais, parce que nous, on est là parfois que sur une période. Eux, ils vivent ici. Et donc, avoir sa maison détruite par une explosion en un instant, il passe d'une vie qui peut parfois être confortable pour certains à une maison détruite et ne plus savoir où dormir le soir. Mmh. Donc voilà, nous, c'est vrai qu'on a vécu ça de l'intérieur, l'immeuble qui tremble, les vitres qui éclatent, c'est très impressionnant, ça fait peur. Mais voilà, il faut voir après pour les Libanais et c'est pour ça qu'on est sur place également pour leur apporter notre aide. SOS Chrétien d'Orient est présent sur le terrain en continu pour pouvoir apporter l'aide
au peuple libanais qui en a vraiment besoin. Alors, il y a l'aide internationale aussi, une grande solidarité internationale qui s'organise, l'aide qui commence à affluer. De quoi le Liban a besoin à moyen, à court terme, à long terme aussi? À court terme, ça va être principalement des donations d'urgence pour que les Libanais puissent se nourrir, se loger. C'est vraiment ce qui va être nécessaire. Et puis également réhabiliter les hôpitaux parce que bon, il y a toujours des besoins. Hein. Les enfants continuent à naître, donc il y a besoin de cliniques. Il y a toujours des blessés dans la vie quotidienne. Donc voilà, les hôpitaux, c'est une urgence. La nourriture et les logements sont une urgence. À court terme, c'est vraiment là-dessus qu'il faut, je pense, insister. À moyen terme, ça va être la rénovation du port, qui est le poumon économique du pays, comme je disais précédemment. Et sans ce port, le Liban va mourir vraiment à petit feu. On a appris aujourd'hui que dans les silos du port qui ont été détruits, il y avait des quantités de nourriture, des stocks de nourriture pour le peuple libanais qui sont partis en fumée. Et il va falloir trouver une solution rapidement pour que la crise économique, qui est déjà terrible, ne devienne pas pire. Alors, parler de crise économique terrible, cette question encore, il y avait une gronde, hein, enfin une colère de la rue contre la classe politique, le pouvoir en place. Cette colère, elle gronde maintenant, plus de 24 heures après ce terrible drame sur les réseaux sociaux. Il y a des appels au départ de l'ensemble des dirigeants du pays. Est-ce qu'elle vous fait peur, cette colère ? Écoutez, la colère des habitants, évidemment, elle fait peur parce qu'on a peur pour la situation du pays, en fait. On a peur que le pays s'enflamme à nouveau et que la situation se dégrade d'autant plus. Un pays en guerre n'est pas un pays qui va bien. On n'a pas envie que la guerre éclate au Liban, que ce soit une guerre civile, que ce soit une guerre avec l'extérieur. On a vraiment envie que la paix règne sur cette région du monde, et tout particulièrement sur le Liban. Aujourd'hui, voilà, les manifestations sont moins présentes qu'il y a quelques mois, notamment à cause de la crise du Covid-19. Mais voilà, les autorités sont toujours sur le qui-vive parce qu'ils pensent que ça peut vraiment repartir du jour au lendemain. Merci à vous, Jean-Rémy Ménot, pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes chef de mission d'SOS Chrétien d'Orient en poste à Beyrouth. Merci à vous. Bon courage. Bon, merci.